wana tuza na bana mpite tuza na barimine tuza na bavè mais parti wana tosi ya bana mpite tosi malamu parti koleza tso sorsi bezali ya bana mpite na mge oyo alors koya na biso na koko alizo katikati na koko esika ezi ezande mpona komema lisungi mke oyo tuza na ngo bagi bia lobi ke si ko tinda deja moto awa si aya mbala mibale ya liboso toyebaki ke oza tinde na bana sisi wala yango tinde na oyo toza nango tokisa alors fondation op tosalaka bamasungi donc lisungi oyo topesaka eza lisungi ya charité neti meke toye boye topesi oyo topesi mpo na bana mpo na koyeba na bandia mpona kosunga kolia na bango mpona kotala mpe esika bazali eske esika yango eza ndenge nini mpona kotala posa nini baza nango posa nini bakozala nango mikolo ezali koya pour que toyeba ndenge nini tokoki komema mwa lisungi na biso bite ke toye mpona kozwa komema charge nyonso me toye mpona koapporte yo main forte na bisika oyo osi obandaki deja kosala orphelina baraka exista kala ça fait plus de 10 ans deja c'est 14 ans maintenant oyo orphelina baraka ezototalize na kati ya bana oyo toza deja na bato oyo basilisi université na kati baza si nabeli bozomona oyo ya supa alor na likanisi oyo nzambe apesaki bino tozozongisa nanu matondo ebele na bisika oyo. Vous êtes de frères et de sœurs. Vous allez bandeko basi bandeko mibali. Être frère et sœur n'est pas synonyme seulement de dire qu'on vient d'une même mère ou d'un même père. Kozala ndeko, kozala na kindeko, ezate ke no bo uti tata moko mama moko. Mais évoluer à un seul endroit, kasi ko fanda esika moko, dormir, manger, vivre ensemble, lala ko lia ko bika place moko, vous développez des liens forts. Wana ndebino kozali ko kolisa bo. Alors nous on avait appris que vous n'aviez que 6 enfants. Nous autres baïf sa kiso de bozana na bana 6, mais on a vu qu'il y a quand même beaucoup d'enfants. Tout le monde est debout à Baza et Bélé. Ça ne sera pas la dernière fois. Et qu'aux Alambalasukate. Par la grâce de Dieu, nous passerons encore. Nangoli Anzambe Togolikalisus. Et ça nous fera un plaisir. Et pour ça, la vie se saigne. De rester en communication. Totika la tozo solola. Mais je parle à mes amis. Kasmazo Lombalabani. Il y a des gens qui disent. Mais il faut me demander, je n'ai que 10 ans. Je n'ai que 10 ans. Qui a 10 ans ici? Qui a 10 ans ici? Nandazana 10 ans. Bon, qui a 9 ans? Bokasson, Nandazana 10 ans. Qui a 10 ans? La personne qui a 10 ans. Tu es comme moi, non? Moi, je t'en âge. Alors, j'aimerais vous demander d'être positif. De travailler. Et comprendre que vous avez droit à la vie. Vous avez droit à l'éducation. Vous avez droit à l'épanouissement. Parmi vous, il y a de grands hommes d'État. Parmi vous, il y a de présidents de la République. Il y a de ministres. Ma ministre Bazali. Il y a deux apôtres. Ma apôtre Bazali. Il y a deux prophètes. Ma prophète. Il y a deux pasteurs. Ma pasteur. Tenez bon. Que cette circonstance de vie ne vous fasse pas perdre l'estime de soi. Soyez sûr de vous-même. Soyez sûr de Dieu. Et dites-vous que c'est possible de relever le défi. C'est possible d'aller plus loin. En tout cas, ma prière est le vœu de mon cœur. Parce que comme la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Le psaume 23 me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Que l'Éternel qui est notre berger puisse faire que vous ne manquiez de rien au nom de Jésus. Que la protection divine soit votre partage. Tu as la devise, mon côté.
maman sans dans le bateau, on va bien ma casse à l'eau. Donc, comme il dit, il a mis son mot en fait dans le matin. C'est quoi? Est-ce que l'âme donne la excellence? Hé! Maman Thérèse, bonne! Bonne de connaître la carte de Balobate. Bonne de bâtard. 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 Quand il a l'objet baraka, il faut gagner excellence. Vous voyez? Ah oui. Quand il a l'objet baraka, il faut gagner nini. La mouvement va se faire. Quand on doit gagner la mouvement, ça fait des métiers. À qui nous voyons? Là, quand il a l'objet baraka, excellence. À haute voix, excellence. Baraka, excellence. Baraka, excellence. Donc, bien, on peut vous autres quitter. Baraka! Excellence! Baraka! Excellence! Voilà! Baraka! Excellence! Baraka! Excellence! Baraka! Excellence! Maintenant, nous avons une excellence pour nous. Parce que pour nous, comme une excellence, pour la recommande excellence, il faut qu'on fasse un mi balé à Moutouya, maman Sandra Lobi. Pour Mindimela, Pekondimela, Zambé. Yango Kande, Pesaka, excellence. Pourquoi tu as une devise? Ah, c'est une devise. Chaque temps, la Moutouya, Moutalo Lobi, Ngaï, Naza, excellence. Boeta, pour comme président de la République, de maman Sandra prophétise, je pense qu'elle a prophétise. Quand tu as une bawana, soit tu as un cas qui nous a prophétise. Ce que je vais juste ajouter, c'est de, d'avoir foi en Dieu. Dieu est le père des orphelins, a-t-il dit dans la Bible. Ne croyez pas comme si vous êtes seul dans ce monde. Même si à un moment où vous vous sentez seul, croyez que vous êtes avec quelqu'un. Cette personne, c'est Dieu. Il ne vous laissera jamais. Même quand dans des situations difficiles, toujours merci. Merci. Maman Thérèse a zala te. Si quand nous sommes bien de Rosabo, de Komikuta, voyez Bakino, Nzambe, Yalikolo, Azali. Tu comprends, hein? Situation a passé, et Zala a passé, et Zala a passé, et Zala a passé, et Zangi a collé, et Maya Lobo, et Zapete. Maya Lobo, et Zate. Et comment a pété, hein? Maya Lobo, et Zate, quand Maya Pompe, et Zala. Mais là, Maya Pompe, comme ça, Nzambe, et Zala, 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 et merci beaucoup, Nandé Boyambi Bisso. Nous à la photo après tout le pays. Mais la copine de maman Thérèse Awa, là, le bébé Nabisso.
Après, ça me fait ça. Voilà, merci Mingi. Voilà. Merci maman Thérèse. Merci. Vous mettez là-bas. T'es quand on est beau. Il y a quand on est beau. Obi? Oui. T'es mais c'est bon, non? Bien. S'il te plaît, ma. Ça va bien. Bien. Chef, vous filmez. C'est bon, boy. Oui, vous filmez. D'accord. Ok. Allez, c'est maman. Maman, t'es regardant la photo. Excellent. Bon, tout ça, boy. Excellence. Vous pouvez me loger 5 ans. Hein? Gaga 5 ans. Oh, papa, si 5 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, tape ici. Madame, je vais la photo super. Je vais la photo super. Je Maman, tu peux aller voir ma prière. Maman, tu peux Hivi tunakutia tena sifa, walinde, watunge, wabariki na mwenye kubalinda tena ni mujina la Yesu Kristo Masiha tunaomba hivi, amina. Amen. La journée du 17 mai, en fait, c'est un jour off pour nous, où nous étions nombreux à la maison. Mais on se dit qu'on peut aller passer du temps avec les orphelins, passer du temps avec les démunis, et c'est comme ça que nous avons visité des orphelinats. Mais avant tout cela, j'aimerais dire qui nous sommes. Mm-hmm. On est Hope Fondation, créée formellement depuis le 5 janvier 2019. Mais nous avions commencé à faire des activités bon, qui n'étaient pas encore trop formelles. Et c'est juste depuis 2019 et l'année passée que les choses ont continué. Ça s'est dessiné clairement. Alors nous vous redonnons de l'espoir aux enfants que la rue appelle les enfants de la rue. Or la rue n'a pas d'enfants, aux démunis, aux orphelins. Nous leur disons qu'ils ont la chance de vivre et de grandir comme nous, parce que moi aussi je suis un enfant, j'avais 10 ans. Alors ça a été un plaisir pour nous de pouvoir passer et le voir. Je crois que je suis à côté de moi, il y a la coordonnatrice Anna Kitoga, qui pourra aussi brosser en quelques lignes ce qu'on a pu faire aujourd'hui, parce que c'était au fond et au moulin. Et
voulant que Dieu puisse vraiment la bénir et l'amener loin. Merci. Alors, madame, nous sommes avec vous. Alors, Sylvain Miko. Ah, bon, c'est pas grave, on va monter. Hein. Simba, Gaga, écoute, tiens, on a. Voilà, tiens, ok. C'est parti. Espoir, mais également faire et émuler dans les enfants qui sont des enfants abandonnés, des enfants dits enfants de la rue, cet espoir-là de vivre en leur apportant des aides qui soient charitables, soit des aides des repas humanitaires, mais également les encadrer c'est des étapes, c'est des aspects qui vont vraiment toucher. Pendant ce temps, nous avons touché les côtés charité, les côtés solidarité, les côtés apport de l'aide humanitaire. C'est ça que nous sommes venus. Quand nous descendons dans des orphelinats comme nous avons fait aujourd'hui, c'est pour effectivement essayer de montrer à ces enfants qui ne sont pas seuls et qui ne doivent pas perdre l'espoir. Dehors de l'aide qui est l'aide psychologique, que ce soit par les meilleurs encadreurs et les gouvernantes, nous avons tous cette aide qui peut nous accompagner jusqu'à l'exemple. Alors, est-ce que vous n'avez pas un message au partenaire ou à ceux qui veulent peut-être intégrer la fondation? En fait, la fondation reste ouverte jusqu'à aujourd'hui. Jusque-là, on n'a pas de conditions pour adhérer. Nous ne vendons pas nos fiches. Nous demandons à tous ceux qui ont besoin d'intégrer la formation, de manifester sa volonté, de nous suivre, de nous suivre. Mais pour le partenaire, ce que je veux demander, c'est que jusqu'à ce que nous avons fait, depuis l'année passée, depuis tous ces 3 ans d'ailleurs, c'est des efforts personnels, des efforts privés, où nous nous mettons ensemble avec notre PCA, on essaie de voir qu'est-ce qu'il est comme besoin, où est-ce que nous devons apporter de l'aide. À qui est-ce que nous apportons cette aide-là et on essaie de voir comment est-ce qu'on s'est amené ensemble les moyens pour apporter cette aide-là. Voilà, ce que nous voulons, c'est que nous sommes en train d'apporter la réponse humanitaire pour nous, qui est une organisation humanitaire, qui nous a porté main forte afin que nous puissions amener ce projet aussi. Mais également les partenaires qui sont dans le monde, notamment, si je peux me permettre de citer, c'est des partenaires que nous allons essayer de rencontrer très prochainement. Je peux citer l'UNESCO qui est dans l'éducation, je peux citer le FBI qui est dans la formation professionnelle des filles et des femmes mères qui est aussi dans l'encadrement des jeunes. Je peux citer le PNUD qui accompagne en fait, des grandes organisations dans les programmes de développement. Donc c'est des partenaires que nous allons rencontrer. Mais surtout ce que je demanderai, c'est que l'on nous ferme. Le Congo a beaucoup de potentiel. Vous avez pu même remarquer que nous sommes allés dans des points très reculés. Nous sommes toujours à Kinshasa, mais les fois que ça nous a pris, on arrive jusqu'à là où nous sommes. Dans le bureau climatisé, on ne saura pas voir ce que nous avons fait pour atteindre ces objectifs. Donc, il faudrait que les grandes organisations internationales puissent rabattre ces organisations. Afin de rencontrer les besoins réels de la communauté. Donc, prenons aussi les valeurs chrétiennes. Hop, prenons les valeurs chrétiennes. Alors, nous vous disons merci et à très prochain. Merci. La part à vous. Le lancement officiel entre novembre et décembre. Non, on peut aller, c'est pas bien. Ça sera monté sur le téléphone, les gens montagnes. Voilà. Et à quand la prochaine étape? Oui, ça sera quoi la prochaine étape? La prochaine étape, nous allons continuer à faire la cartographie des orphelinats que nous devons aider. Mais dans l'entretemps, nous annonçons déjà que notre sortie officielle, qui sera accompagnée d'un basket fund, sera organisée au mois de novembre prochain. Et donc là, nous espérons avoir des partenaires privés comme des partenaires sociaux qui puissent nous accompagner et qui puissent souscrire à
d'aide que nous devons apporter à ces familles. Merci. On peut partir, on a Mike qui démarre. Quand on a ce nom, tu n'as pas le téléphone. Mike, tu es où? Fais un peu l'appareil comme ça. Seda est où? Mon réalisateur, photographe. Entre vite, non? Entre. Il y a deux orphelins, exode 2022, dans la baraka. Grâce à la Hop Fondation, contact, Nicolas Tozar, Tokos. Ah, c'est bon.